Eh bien, être ministre du Travail, c'est aider les autres à trouver du travail ou un meilleur travail, ou aider les jeunes à trouver vraiment ce qui va leur faire plaisir et qu'ils auront envie de faire toute leur vie professionnelle. Alors, chez tous les candidats, je crois qu'il y a des questions d'expérience, de compétences, il y a des questions de savoir-être qui sont importantes. Quelqu'un qui sait jouer en équipe, quelqu'un qui a envie d'un accomplissement collectif et individuel à la fois, et puis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il aime, c'est un trésor d'engagement. Les inquiétudes que j'ai eues en début de carrière, le premier matin où je me suis retrouvée dans un bureau où il y avait des portes fermées partout, dans un couloir, et que je me suis dit que j'allais être là 5 jours par semaine, 47 semaines par an, et pour plus de 40 ans, j'ai failli prendre les jambes à mon cou. Et j'ai tout de suite décidé que je ne ferais que quelque chose qui a du sens pour moi, parce que sinon, je ne tiendrais pas. Ma pire expérience professionnelle, il y en a eu plusieurs, parce que je travaille depuis longtemps, c'est quand j'ai senti qu'on ne pouvait plus avancer. Les problèmes, ce n'est pas un problème. Il y a toujours des solutions. C'est quand plus personne ne veut avancer que c'est le plus dur. À ce moment-là, je bouscule les choses. De ce qu'ils me disent, que d'une part, je manage d'abord par la vision, le sens, où on va ensemble, comment on construit le sens. Je ne sais pas juste manager pour manager. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'adore le travail d'équipe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et la troisième, c'est que j'ai beaucoup d'ambition, donc ça peut amener beaucoup de travail. J'ai fait plusieurs fois les passages du privé au public dans les deux sens. Pour moi, je suis heureuse de mettre les compétences que j'ai pu développer dans le privé au service de mon pays. Mais à l'inverse, je pense aussi qu'avoir la vision générale et entrer dans l'entreprise, ça permet d'avoir une approche à la fois opérationnelle et à la fois très large. Et je crois que c'est un chemin qui est intéressant. Je recommande à beaucoup de gens de le faire.